Alors ça vous fait plaisir que les motards soient là? Oui. Vous espériez ça? Oui. Vous êtes timide un peu? Ça vous fait plaisir donc qu'ils soient arrêtés ici? Allez, j'annule, moi. La prendra si elle veut. Bonjour. Bonjour. Avancez. Ah, il fallait pas tout préparer comme ça et... Attends. Bonjour. Oui, vas-y, tu prends la table. Bon, tu vois... Bonjour. Bonjour mademoiselle, comment ça va? C'est notre fille qui est malade. Si tu veux faire des photos devant les motos, tu peux. Oui, on va aller avec nous. Mais habille-toi peut-être parce qu'il pleut. Oui, allez. Faire des cafés, on verra bien après. Qui veulent goûter, je sais pas. Quoi, on s'est arrêté ici. Donc, quand j'ai contacté la responsable de l'Est républicain qui s'occupe de ce village, à Réan, elle m'a dit, oh, bah, tiens, justement, dans un village, on a une petite fille qui s'appelle Océane, qui a une dizaine d'années, qui est actuellement en traitement suite à un cancer. Et elle m'a dit, oh, elle serait peut-être contente de vous voir avec les motos, tout ça. Et je lui ai dit, ça sera avec plaisir qu'on s'arrêtera chez elle. Pour faire les photos et puis pour la connaître parce que je ne la connaissais pas. Et ben là, on est vraiment touchés parce que ben, ses parents nous attendaient avec le café, la brioche. Et ça fait mal au cœur, ça dit. Voilà. Donc, ça aide aussi à aider à savoir pourquoi aujourd'hui, nous, motards, on est là en train de distribuer des roses sous la pluie. C'est des exemples, hélas. On sait pourquoi on fait ça aujourd'hui. Elle est là, ils nous ont. Donc on va la mettre avec nous, on va faire trois motos devant nous. Hein? Non, bah, moi je vais vous prendre la café, je vais bien. Bah, servez-vous, allez-y. Bien servez-vous, monsieur. Ah bah. Merci beaucoup, madame. Prenez ça déjà pour ma femme. Il y a du sucre, il y a des filets, on prend une cuillère pour 5, une cuillère pour 10, allez. Allez, vas-y. Allez, hop. Un jus d'orange. Merci, il y en a devant moi. Il dit qu'il est. Servez-vous en brioche, allez-y. Hein. Ah, merci. Encore. Hein. Du jus d'orange. C'est ton nom. Hein. Alors, on va se mettre au milieu des moteurs. On va se mettre au milieu du moteur avec les moteurs. Merci. Allez, toi, Océane, on est là pour, avec toi pour faire une photo. Donc on va se mettre devant la moto là, et toi avec nous, et nous on se fait derrière. Et, allez, je vais faire ça. Et un truc que j'ai oublié, mais je viens de t'emmener, j'ai un beau t-shirt de la côte. Il a les habitudes du journal, tu vois là. Mais voilà les habitudes. Pourquoi on fait ça? Non, c'est bon. C'est bon pour la photo. Prenez-en un peu tous. Voilà. Hop, de l'autre côté. Allez, un petit sourire. Allez, en tout cas, tous les gens qui sont autour de toi, aujourd'hui, on peut faire un peu. C'est bon? Voilà. Et maintenant, tu vois. C'est important le passage des motards ici. Pardon? Vous êtes le papa? Je me rade à nuit. Oui. C'était important qu'ils passent les motards aujourd'hui pour elle. Oui. Et c'était quelque chose de très attendu. Pour Océane, je pense que oui, c'était. C'est une suite pour elle, quoi. Hein. Ouais. Elle a beaucoup de solidarité aux alentours, donc elle était très attendue, Océane. Vous êtes la maman d'Océane. Oui. Très heureuse que les motards s'arrêtent aujourd'hui voir votre fille. Très émue, oui. Ça redonne un peu de morale, quand même, quelque part. Oui, quand même, bah ouais. Au bout de 6 mois, là, c'est important. Quoi. C'est difficile à vivre. Oui. Mais non, mais d'habitude, j'ai... Toi, 10 ans. Oui, non, c'est pas facile. 10 ans, enfant unique.
Alors Océane, tu es contente d'avoir été pris en photo comme ça avec tous les motards? Tu occupes tes journées à quoi là en ce moment? Regarde la télé. Tu regardes la télé? Tu vas sur internet aussi un peu? Oui, des fois je vais dehors quand il fait beau. D'accord. Et tu... Qu'est-ce qui t'occupe comme ça autrement? Des fois je fais des jeux de société avec maman. C'est pas trop difficile à vivre ça? Un petit peu, mais ça va. Tu es bien entouré, ton papa et ta maman te tiennent bien. Merci Océane. Pour toi, ils ont dit gratuit. Ouais. Les bêtes, c'est de là. Ça met dans un vase, un petit vase. Hein? Oui. T'as pas froid? Tu veux boire quelque chose? T'es pas en moto, mais tu veux boire quelque chose?